Le premier contact entre une flotte russe tyrannide et l'Imperium eut lieu dans le système Tyran en 745.M41. Celui-ci se situant dans la partie de la galaxie connue sous le nom de la bordure orientale dans le Segmentum Ultima. Jusqu'à cet instant, l'humanité était totalement inconsciente de cette nouvelle menace. Pourtant, la flotte russe avait laissé des indices de son approche pour ceux assez clairvoyants pour les déceler. Au cours de la décennie précédente, les explorateurs avaient recensé l'évolution des systèmes planétaires autour de l'avant-poste reculé de Tyran Primus, celui-ci étant sous le commandement du Magos Varnak. Ces derniers avaient remarqué que des planètes autrefois verdoyantes ainsi que grouillantes de vie n'étaient plus que des rocs stériles, au point qu'il ne restait plus la moindre bactérie à leur surface. Bien que cette information fût rapportée à l'Adeptus Administratum, aucune décision ne fut prise car la galaxie est aussi vaste que les mystères qui y règnent. Cependant, cela attira l'attention d'un homme de l'Inquisition, l'Inquisiteur Cryptman, et il commença à poser des questions aux adeptes du Magos, ces derniers lui transmettant toutes les informations dont il avait besoin. En recoupant toutes les informations, l'Inquisiteur en arriva à la conclusion que le phénomène s'étendait de plus en plus et se dirigeait droit vers Tyran. L'avant-poste de Tyran continuait de transmettre de manière routinière des rapports faisant état de nouveaux mondes morts. Et bien que les forces impériales de la planète ne s'en doutaient pas, la flotte russe se rapprochait d'elle à chaque minute. Jusqu'à présent, les tyrannides n'avaient dévoré que des mondes dénués d'espèces intelligentes, et avaient reconstitué leurs réserves d'énergie après leur long voyage à travers le vide intergalactique. L'avant-poste ne fut averti de l'imminence de l'attaque que par miracle, lorsqu'un vaisseau de reconnaissance qui revenait d'une autre planète morte rencontra un nuage d'objets non identifiés aux abords du système Tyran. Bien que sa coque fût dévastée par ce qui semblait être des mines vivantes, il réussit à s'en sortir et prévint l'avant-poste de préparer les défenses face à une menace inconnue. L'invasion débuta quelques jours plus tard. L'avant-poste de Tyran Primus était niché dans un archipel d'anciennes îles volcaniques, et était puissamment fortifié afin de résister aux terribles tempêtes et aux assauts des énormes créatures marines de la planète. Son armement était tout autant impressionnant, car en raison de la position éloignée de la planète par rapport aux autres mondes impériaux, elle avait été dotée d'un arsenal capable de décourager toute attaque pirate ou xéno. 4 lasers de défense orbitaux montés sur des structures en céramite blindée protégeaient l'avant-poste, ces derniers étant eux-mêmes défendus par des générateurs de champs de force. En plus de cela, des autocanons et des canons laser Icarus intégrés à un réseau défensif de bastions et de bunkers de classe Proteus pouvaient repousser n'importe quel assaut terrestre conventionnel. La garnison de la planète était constituée des gardes du corps Skitari du Magos Varnak, d'un régiment d'infanterie d'élite de l'Astra Militarum, de 3 escadrilles de chasseurs Thunderbolt et de 3 croiseurs légers de classe Endeavor. Autrement dit, la planète était une véritable place forte, capable de repousser n'importe quel ennemi connu de l'Imperium. Mais contre la flotte russe tyrannide qui approchait, rien n'était moins sûr. Les défenses ouvrirent le feu dès l'instant où le premier biovaisseau se plaça en orbite. Pendant plus d'une heure, ils tentèrent de repousser ces envahisseurs. Et alors que les systèmes de refroidissement des armes commençaient à surchauffer, les xénos se retirèrent. À ce moment, Varnak, rassuré après ce qu'il estimait être une victoire, ordonna à sa petite flotte de poursuivre les vaisseaux qui battirent en retraite. Cependant, après que ces derniers traversèrent les nuages de spores, ils s'aperçurent que seulement une douzaine de biovaisseaux avaient été éliminés et qu'il en restait encore plusieurs milliers. Avant même qu'ils ne comprennent que leur retraite était en réalité un piège, l'avant-garde de la flotte russe changea de cap et chargea vers leur direction. L'Empereur Swift fut le premier à être détruit, sa coque ayant été déchiquetée par une nuée de créatures provenant d'un des biovaisseaux. Le Righteous Destiny survécut à peine plus longtemps lorsque d'immenses pseudopodes l'attirèrent dans la gueule béante d'un autre biovaisseau. Le Sword of Warriors, le dernier vaisseau de la flotte impériale, parvint à avertir l'avant-poste. Mais avant qu'il pût terminer sa transmission, des modules d'abordage s'attachèrent et percèrent la coque de celui-ci, et des centaines de Génovores envahirent le vaisseau. L'équipage fut massacré en quelques minutes, et le navire se mit ensuite à dériver dans l'espace. Une fois les croiseurs impériaux détruits, la flotte russe revint vers Tyran et des milliers de tyrannocytes tombèrent du ciel. Les différents systèmes de défense en abattirent des centaines, mais c'était loin d'être suffisant.
Certains d'entre eux atterrirent dans l'océan et le combat fit rage entre les tyrannides et les monstres des profondeurs. Pendant ce temps, les officiers de la garde impériale aboyèrent leurs ordres à leurs hommes, et les salves de tir disciplinées repoussèrent les xénos qui s'approchaient des fortifications. De plus, parmi les forces de la garde impériale se trouvaient également des vétérans provenant des régiments de Katachan. Le champ de bataille était parsemé de cadavres d'Ormagons et de Génovores, leurs carapaces ne pouvant résister aux tirs nourris des fusils laser et autocanons. Les Thunderbolts, quant à eux, zigzaguaient dans le ciel tout en mitraillant sans relâche l'ennemi. C'est alors que le laser de défense orbitale nord fut réduit au silence, quand des milliers de gargouilles se jetèrent dans le canon et l'enrayèrent avec leurs cadavres. Peu de temps après, c'est le laser de défense est qui cessa de tirer, quand un énorme carnifex éventra la base de la structure et détruisit son circuit de refroidissement. Les Thunderbolts tombèrent en flammes les uns après les autres, leurs réacteurs ayant été saturés de spores, tandis que leur cockpit avait été éventré par des harpies. Alors que le réseau de défense faiblissait peu à peu face à l'assaut principal tyrannide, des tyrannocytes tombèrent au milieu de la base. À peine une heure plus tard, l'avant-poste de tyran était perdu. Les bastions avaient été pris ou détruits tout comme les lasers de défense. Les hommes de la garde impériale, y compris les Katachans qui étaient pourtant de féroces soldats, avaient abandonné leur poste. Malgré tout, des poches de résistance tenaient bon grâce aux efforts de quelques officiers. Mais une par une, elles furent également vaincues. Il ne resta alors plus que le bunker de commandement, dont les murs commencèrent à se fissurer sous l'impact des griffes écro des bioformes tyrannides. Le Magos Varnak pouvait voir à travers les écrans de contrôle encore opérationnels la marée Xeno se répandre dans sa base, et se rendit compte que depuis le début, ses chances de victoire étaient nulles. Finalement, la porte d'Adamantium céda, et les tyrannides se déversèrent dans le bunker, tandis que les derniers gardes Eskitari tentèrent en vain de les repousser à coups de lance-flammes. Alors que les Ormagons envahissaient le centre de commandement, Varnak murmura une ultime prière à l'Omni-Messie et appuya sur un bouton afin d'envoyer un codex de données dans le vide spatial, dans l'espoir qu'un jour celui-ci soit récupéré par l'Imperium. Avant même que l'attaque ne commençât sur Tyran, l'Inquisiteur Cryptman présenta ses conclusions à ses pairs lors d'un conclave et reçut l'autorisation d'aller enquêter sur place. Malheureusement, il était déjà trop tard, et celui-ci arriva dans le système un an plus tard. Lorsque ce dernier arriva dans le système, il découvrit une planète stérile, alors qu'il s'agissait jadis d'un monde océanique grouillant de vie. Sa faune et sa flore avaient été complètement absorbées, et son eau avait disparu jusqu'à la moindre goutte. Lorsque Cryptman visionna le codex de données, toute l'horreur du destin de Tyran lui fut révélée. Un destin que si l'Inquisiteur n'avait pas découvert, aurait pu rester inconnu de l'Imperium pendant des millénaires. Sans perdre de temps, celui-ci se mit en route afin de prévenir le reste de la galaxie de la menace qui était sur le point de l'assaillir, et se fixa comme objectif de supprimer cette menace par tous les moyens. L'Inquisiteur nomma également cette espèce cauchemardesque venue d'une autre galaxie, les Tyrannides, en souvenir du premier monde impérial qu'elle avait dévoré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord of Warhammer 40 000.